Implantée dans la zone industrielle de Hassi Amer, près d'Oran, cette entreprise, première du genre en Algérie, fabrique des verres ophtalmiques avec des normes internationales grâce à ses 50 employés entre agents de maîtrise et cadres qualifiés. Les verres qu'on fabrique ici sont des verres ophtalmiques de qualité supérieure. Au début, l'ophtalmologiste prescrit une ordonnance pour son patient, une ordonnance qui se retrouve après chez l'opticien. Ce dernier prend toutes les mesures et les paramètres des verres et nous les envoie par Internet. Une fois toutes les données chez nous, on les insère dans notre système informatique pour entamer la fabrication de ces verres dans un laboratoire Freeform, qui est en fait un laboratoire moderne avec un matériel de pointe pour la fabrication des verres ophtalmiques, des verres qui passent bien sûr par un traitement anti-UV. Grâce à une équipe pluridisciplinaire de très haut niveau, une main-d'œuvre hautement qualifiée, l'entreprise a lancé une nouvelle unité pour la fabrication de 1000 montures par jour, des montures 100% algériennes. Il nous a fallu 3 longues années pour la réalisation de cette unité. Aujourd'hui, elle est en phase de production avec les premières lunettes 100% algériennes. Nous avons 3 marques avec un matériau qui respecte la nature, l'acétate de cellulose, un matériau d'origine végétale issu de l'alpha et du coton. Sans oublier que ces montures hypoallergéniques sont fabriquées par des mains algériennes grâce à des artisans qu'on a sollicités auprès des centres de formation professionnelle pour former notre main-d'œuvre. Nous sommes formés par des experts chinois grâce auxquels nous comptons acquérir de l'expérience. Sinal voudrait entrer dans la cour des grands en se lançant un défi, celui de devenir leader du marché algérien des lunettes de vue d'ici 2025. Un défi qui suscite l'admiration des experts en la matière, puisqu'aujourd'hui, plus de 80% des lunettes vendues en Algérie sont fabriquées à l'étranger. Un défi que cette entreprise compte relever sans aucune aide des pouvoirs publics.